Du chaman. Du chaman, sérieux. Peut-être beaucoup trop de voleurs en ce moment. Du coup, les chamans, c'est quand même le deck qui est un peu contre. Donc, du coup, on vire. Ouais, même le Talnos, tu peux le virer pour l'instant. Même Talnos. Talnos, à la limite, si on veut garder, il faut garder les deux, mais sinon, comme voilà. Ça. Voilà. Bon, ben, tour 1, pièce des Fias. Exactement. Ah, ça me plaît pas. Mais on va être obligé. On pourrait même faire les fous pièces des Fias. Ouais non, juste pour avoir une 2-2 de plus. Ouais non, ça vaut pas le coup. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Putain, on va être obligé de faire l'oracle, hein. Sérieux. Ah bah quand y'a que ça, y'a que ça. Voilà, voilà. Ouais, là, je t'ai pas demandé ton avis parce que je crois qu'il y avait que ça à faire en fait. Hein. Ouais. Je me voyais mal faire une attaque sournoise sur une de mes créatures. Ça serait bête. Y'a pas de lampe, ça vaut pas le coup. Ah bah les petits loups. Or, les loups, ils vont prendre un coup de attaque sournoise, éviscération, et je finis à la dague. Sur le premier, exact. Je garde mes actifs. Et exactement. Il s'est mis en surcharge, et le tour d'après, il aura que 2 de mana. Je me tâte presque à faire un pas de l'ombre pour remplir le bord. Non, enfin... Non, on le fera. Non, non. Bon, on va rajouter que 2 points. Il a utilisé la pièce, hein. Tour d'après, donc, Ah non, oui, je suis con, il a pas pu utiliser la pièce, c'est nous qui l'avions. Non, c'est nous qui l'avions. Là, il est obligé... Non. Là, il est dans les starting blocks, hein. Et un éclair, ça va le réduire à 4 tour d'après. Bah, oracle, quoi. Et pioche, hein. Et dans le pire des cas, si on a rien, on peut taper. Oh. Eh, gnome des preux. Bah oui, bah c'est parti. On a de quoi comboter les 6-7 après. Golem pas menaçant. Oh, c'est parfait. Ah, c'est beau ça. Oh, c'est parfait. Après, qu'est-ce qu'on fait? On le finit à la dague. On se garde le S6-7 pour un totem ou un truc comme ça. Hein. Exactement. Oh. Et est-ce que j'irai pas avec l'oracle et je balance l'autre? Pour les 3 de mana. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Pour accélérer le jeu, hein, parce qu'il nous faut un finish. Hein. Ouais, mais tu vas lui donner 2 cartes à lui aussi, donc... Il a déjà 6 cartes, hein. Normalement il a déjà des réponses. Hein. Ah. Oh, moi je trouve dangereux. Je trouve dangereux. Bon, allez, va. Je vais t'écouter. Non, à la dague. Et là, il est déjà à 17 points de vie. Hein. Je sais pas si t'imagines. Hein. Si jamais on tapait un golem, le tour est fini. Ouais, mais tu lui donnes des chances de mettre des loups, d'avoir de la tempête. Oh, les loups, t'imagines, attends, et on va pas se taper le troisième chaman à la suite qui, à la 18ème carte, va taper le deuxième loup. Que faire? Ah, moi je mise toujours sur les pires scénarios. Ouais, mais attends, en termes de statistiques, au bout d'un moment. Ok, bah nickel. Un tour très mou pour lui. Ah, parfait. Non, pas parfait. Hein. Non, moi il me manque un finish. Hein. Mais on va remplir le board, c'est tout ce qu'on va faire. On va se prendre une tempête de foudre et la game est terminée. Ok. Pour autant qu'ils viennent, la charge elle a énormément de chances de venir. Joue 3. Me reste 18. Ça veut dire que tu lances le 6-7 avec. Tac, machin. Lui il peut faire quoi le tour d'après? Argus. Oui, je vais dans une créature et Argus. Attends, SI7. SI7. Je suis obligé d'envoyer 2 autres créatures si je fais SI7. Non, bah Oracle. Ou je vais taper moins. Ouais, bah d'abord Oracle, on va voir ce qui va venir.
On a deux assommés, ouais. On lui en balance un. Bah go, exactement. Putain, 9 cartes, après. On lui en crame. Non, trop tard. Non, il aurait fallu le faire avant. Il aurait fallu faire pas de l'ombre, remettre le truc et assommer à ce moment-là sa créature. Parce que là, il se détruisait. Ah oui. Enfin, ou non, bah celle-là, tu préfères qu'il l'ait dans la main. Il passe tout son tour, il met que 3 points de dégâts. T'as raison, c'est une fuite de mana. Exactement. Tu sais que le tour d'après, je me botte presque pour accélérer le jeu et impérativement qu'on ait un finish à faire un cri sur le Saint-Almos. Attends, on va voir ce qu'il joue. On a comme solution. Qu'est-ce qu'il peut faire là, en dehors des loups? Argus? Totem, une créature et Argus? Voilà. Golem 3, Argus. Ouais, c'est les loups. Ah ouais, carrément. Il est désespéré à ce point. Oh! What? Ok, ok. Ah, il est vraiment désespéré. Ah! Je tape, je crisse ma créature. Non, tu crisses sa tête. Ça fait non, il faut que je pioche deux fois. Faut que je pioche deux fois. On a 4, là j'ai 6. Le finish qui arrive, il me reste 5 de mana. Pour 5 de mana, je lui fais 12. On a 6, ouais, ok. Attaque-le d'abord avec. Encore des armes. Je sais, c'est violent. Ah, bah, 12, ok. Et eh bien, on... oh, c'est parfait. Bon, on peut pas le finir parce qu'il nous manque un petit peu de mana. Mais on pourra le finir 4, le tour d'après. Si ça se passe bien. Et on aurait déjà pu lancer le sang froid sur sur la grenouille. Ah oui, c'est pas con. C'est vrai qu'on aurait pu faire ça, ouais. Il aurait dû s'en occuper aussi. C'est fini. Ouais. Ah oui, en plus l'éviscération qui arrive. Tant que je fasse pas de conneries. Hop, je peux balancer les deux. Ça va plus vite. On avait le choix là. Ah oui, là on avait le choix du fini. Bon, elle est passée celle-là, cool. Yes. Oh oh oh, nous approchons du level 10. Allez, à la suivante. Ah. Contre Malfurion. Druide. Je dois protéger la nature. Bon bah faut qu'on ait un bon tirage. On a la pièce, c'est bien. Pas de l'ombre, éviscération, jamais la garder à ma sœur du butin, non. Oui, peut-être. Hein. Non. Est-ce qu'on garde l'éviscération ou la masseur? De toute façon, le tour 2, on va essayer de pièce Mukla. Ouais. Donc faut aller un dropper. De choper un tour 1. Exactement. Ouais. Du coup on jette ça. Exact. Ouais, je pense que c'est le mieux qu'on peut faire là. Un pas de l'ombre, bon. Ouais, c'est pas l'instant. Extraordinaire, allez. Mais bon. Une petite chance un tour 1, tour 1. Ah, raté. Oh. Bon, lui il devrait faire une croissance sauvage. C'est un petit peu le tour habituel maintenant. Ah non, pour voir. Ah parfait. Moi j'avais plus peur d'une innervation Yeti. Mais c'est parfait. Les singes, sois productif. Allez. Tour 3. On risque un Yeti, on risque un Taunt avec une Innerve. On va voir ce qui arrive, si... Le problème, c'est qu'il va nous manquer un pour comboter.
crois que ça va être l'oracle, hein. On va voir ce qu'on va recevoir, mais sinon, ouais. Le problème, c'est qu'on a 3 de mana. Le top deck serait quand même un top deck, c'est pas forcément un top deck là. Mais la bonne sortie, ça serait. Oh, ça serait parfait. Oh, le SI7, ça serait juste parfait. Oh, c'est juste parfait. Oh, c'est juste parfait. Bon, bah, je crois qu'on va y croire à cette histoire. Pour moi, elle commence bien. Elle est très violente. Là, le top, ça serait si on n'a rien, on peut toujours faire oracle. Ça serait exact. Top d'avoir d'avoir un sang-froid. Un sang-froid, ça serait nickel. Ou un sang-froid, ouais. Maintenant, en plus, on a la menace du gros gibier. Là, parce que lui, il aurait 5. Il aurait eu 5. Non, mais le sang-froid, dans le pire des cas, je le mettrais sur le 6-7. Ça changerait, il est à 7. Ouais, mais je préfère que ce soit une 7-3 qu'une 9-5. Ah oui, bien sûr. Mais pour la menace du gros gibier, ça aurait rien changé. Alors, qu'est-ce qui va nous sortir? En tout cas, il réfléchit. Concentrez-vous. Ok. On lui pète? Bah oui, on va pas lui laisser ça. Et ça ferait. Ouais, non, parfait. Sentalement, c'est Viscération, hein? Éviscération, exactement. Nous avons pas de vengeance. Eh, dégagez. Parfait. Ça fait 16. Allez, 16 tour 4, c'est quand même violent. Ah non, là on est monstre bien. Franchement, on peut pas être mieux. Ah, il pourrait toujours. Non, il a 5, donc il pourrait pas faire Talnos. Talnos. Bien joué. Non. Talnos et Viscération. Balayage, il peut pas. Il peut nous sortir une 4-6. On peut. Un 4-6 qui prendrait une attaque sournoise et le SI7 dedans. Exactement. Et après, j'aurais presque envie de rien faire de plus parce qu'il faut qu'on se refasse la main un petit peu. Remarque, si jamais il fait pas quelque chose, le prochain tour, on va sortir l'oracle. Oui. 2, 3, 4, 5, ouais. Je dois protéger le frère. Ok. Non, t'es sérieux? Putain. Ah, mais non, on l'a! Il nous manque un mana, un point de mais mana. Mais non, pas de l'ombre à 6-7. Ah, ouais! Ça attends, fait 6, on fait quoi? Ça on, fait là, 11, on a 8. 12, 13, 14, 15, 16, exactement. Eh, on l'a! Hein. On recalcule bon, pour être certain. 10, quoi. Non, ça fait 9. 6, on est à 11. 12, 13, 14. Pas de l'ombre, et on revient dessus, 15, on a le 16. Nickel. Bon bah voilà. Une bonne session. Wow, elle était violente celle-là. Elle était violente. Ah ouais. Tour 5. Il y avait tout pour nous quoi. Ah ouais, non, on a eu un top tirage. Étoile bonus et... Oui. Rang 10. Parfait ça. Parfait, bon ben, parfait, cool. T'es bientôt au même niveau que moi. Eh ben ouais, j'arrive. Mais fais gaffe parce que en plus t'es en train de m'aider. Oui, bah oui, moi je t'aide de ce côté-là, puis je perds sur mon compte, donc on va se retrouver au rang 9 dans pas longtemps. Eh ben, rendez-vous au rang 9 alors, rendez-vous est pris.